Et les deux autres sont de l'Ouest, comme le mâle. Oui, oui, oui. Mais la petite, elle a l'épilepsie. L'autre, ma belle, mais l'autre... Mais est-ce que ça ne risque pas de se reproduire si vous mettez le mâle avec la femelle? Il y a des implantations pour les deux femelles. Oui, mais je veux dire, le mâle, vous ne mettrez plus jamais Kiki, alors? Nous, on va les mettre ensemble, hein. Ça c'est le but, mais ils vont pas se reproduire. Non, non, mais je veux dire, d'accord, mais dans le futur, oui, vous allez quand même mettre le mâle avec les trois femelles. Oui, bien sûr, quatre femelles. Il ne risque pas encore d'avoir des attaques sur une femelle? Espérons que pas, hein. Vous prenez le risque quand même, alors. Ah oui. À la limite, on va les mettre ensemble, mais naturellement, ils doivent donner des signaux. Hein. Mais ici, Parce que maintenant, ils ne montrent pas beaucoup d'intérêt. Mais les signaux que vous avez eus pour les mettre ensemble, parce qu'il y a eu l'accident, c'était quels signaux alors? C'est-à-dire, elle a eu une attaque juste quand elle est devant la grille. Oui. Et le mâle a très mal réagi sur ça. Il semble qu'il a pris le bras, il a tiré le bras, et c'est à ce moment que ça a été coupé. A sectionné quand même alors? Oui, oui, oui. Ah d'accord, et mais il y a eu une morsure. Il a aussi mordu, oui. Oui. Et d'abord, il a eu des inflammations, donc staking, et on a dû recommencer avec l'amputation du bras de devant, mais les inflammations ne se sont pas arrêtées. Alors, à la fin, ils ont dû amputer tout le bras. Mais un truc que je comprends pas, parce que je m'intéresse beaucoup aux gorilles, moi, c'est que dans la nature, c'est un acte social, le fait de morsure avec les femelles et tout ça. Oui, mais on n'a pas de cas dans la nature où ça a été aussi loin quand même avec les femelles. Est-ce que c'est pas la captivité qui fait quand même ça? Je sais pas. Le stress de la captivité des gens. Je pense que c'est vraiment un accident. Oui. Vraiment un accident. Bon, on croise les doigts pour le futur. Normalement, il semble que si on va les mettre ensemble, ils vont se battre quand même un petit peu pour montrer sa domination. Oui, oui. Mais c'est ça, fini. Ok. Mais c'est bien gentil pour les réponses. De rien. Merci. Mais madame, c'est, les deux dames ici, ce sont des spécialistes. Hein. Ils sont gâtés. Voilà. Allez, merci. Parce que je dois faire une bonne journée.